Bonjour. Nous allons commencer un nouveau cours qui prolonge un cours que j'ai déjà fait en général sur le knowledge management et qui concerne donc la méthode MASQ 1, qui est une partie de la méthode MASQ qui concerne la capitalisation des connaissances et plus spécifiquement l'explicitation de connaissances tacites. Il s'agit de décrire une connaissance qui nous est livrée par des experts, on appelle ça des sachants, bien que je n'aime pas trop le mot, des sachants qui nous livrent leur connaissance par oral avec des méthodes d'interview. Et il s'agit de structurer cette connaissance qui nous est livrée de cette manière-là à travers ce qu'on appelle un livre de connaissances qui va donc être une sorte de capitalisation de cette connaissance tacite. Alors c'est une méthode qui existe depuis une vingtaine d'années, qui est utilisée dans beaucoup d'entreprises et qui donne satisfaction, mais qui est quand même relativement technique, sur lequel il faut avoir des compétences qu'on appelle des compétences d'ingénierie des connaissances. Donc, ce cours-là va essayer de décrire comment faire des livres de connaissances et comment mettre en œuvre cette ingénierie de connaissances qui est donc une explicitation de connaissances tacites d'experts ou de sachants. Alors, le premier module concerne l'introduction au modèle de connaissances. Alors, je vais d'abord rappeler quelques fondements théoriques qui ont été décrits dans un autre cours parce qu'on va en avoir besoin pour comprendre un petit peu, ce n'est pas nécessaire de comprendre toute la théorie, mais de replacer un petit peu ce qu'on va dire dans un cadre théorique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce que c'est que la connaissance lorsqu'on va interroger quelqu'un qui va essayer de nous transmettre sa connaissance, eh bien, si on veut la retranscrire, il faut savoir de quelle nature est la connaissance. Alors, la théorie nous dit que la connaissance, c'est quelque chose de bizarre qui comporte trois composantes qui sont l'information, le sens et le contexte. Pour aller rapidement, l'information, c'est la partie visible de la connaissance. C'est ce qui nous est fourni par un sachant qui s'exprime. Donc, qu'est-ce qui nous fournit, justement? Il nous fournit des informations sous forme orale. Donc, il parle et il est censé nous fournir un certain nombre d'informations sur lesquelles il faut reconstruire la connaissance. En général, il ne fait pas que parler. Lorsque vous interviewez un sachant, il amène toujours une somme de documentation, ou du moins il l'a dans la tête, il dit il faudrait lire ceci, il faudrait lire ça. Donc il nous fournit de l'information sous forme orale, mais aussi sous forme de documents, éventuellement des images, des graphiques, des films, ça arrive souvent, etc. etc. Donc il y a toute une partie visible dans la connaissance qu'on appelle donc l'information. Alors, ce qu'il faut reconstruire par rapport à cette information qui nous est livrée telle qu'elle, c'est quel sens prend cette information. Et ce sens, tout le monde le sait bien, il n'est pas unique, il dépend du contexte d'utilisation, il dépend du contexte d'interprétation de cette information. Donc, lorsqu'on veut recueillir de la connaissance, bien sûr, il faut recueillir de l'information. Elle peut être informelle, comme un discours d'expert, par exemple, formelle, comme un document qui est structuré. Mais il faut reconstruire à partir de ça quel est le sens qui est donné à cette information et ce sens, dans quel contexte d'interprétation est-il situé. Donc, c'est ça l'idée de la méthode MASQ 1, c'est de récupérer de l'information par interview sous forme orale et sous forme formelle, et puis d'essayer de reconstruire le sens et le contexte. Donc, grosso modo, vous voyez qu'il y a un processus
déjà de reconstruction de la connaissance. Donc masque 1, c'est un processus de reconstruction de la connaissance. La connaissance est dans la tête d'une personne. Cette personne, en l'interrogeant, nous livre de l'information. Et cette information, eh bien, il va falloir en décrypter le sens et le contexte. Donc, comprendre cette connaissance, pour pouvoir la transmettre, c'est donner du sens à l'information qui nous est donnée et décrire le contexte d'interprétation de cette information. Alors, comment on va faire? Eh bien, la théorie nous dit que le contexte peut être compris à partir de 6 points de vue. Quel que soit le domaine de connaissance, il y a 6 points de vue de connaissance. Un premier point de vue qu'on appelle les phénomènes, un deuxième point de vue qu'on appelle les activités, un troisième point de vue qu'on appelle l'historique. Et ainsi, on va reconstruire de l'interprétation contextuelle de l'information. Alors, les phénomènes, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est les phénomènes qu'on va essayer de maîtriser dans un domaine, des phénomènes physiques, des phénomènes chimiques, des phénomènes cognitifs, des phénomènes psychologiques. Tout domaine de connaissance possède un certain nombre de phénomènes de base qui, décrit en détail, permettent de recontextualiser une information qui est recueillie à partir de l'observation ou de la connaissance du domaine. Les activités, c'est plus fonctionnel, dire voilà comment on travaille dans ce domaine. On travaille d'une certaine manière, et cette manière fait partie de l'expertise, et on va décrire sous forme d'activité ce point de vue-là. Et puis un autre point de vue qui est souvent ignoré, mais qui finalement est très intuitif, c'est l'historique. On ne peut partager, transmettre, comprendre une connaissance que si on a la connaissance de l'historique. On peut donner à un moment donné l'état de l'art d'une connaissance, mais si on veut vraiment aller profondément dans la transmission de connaissances, il faut expliquer d'où ça vient. Il faut expliquer le contexte historique qui a fait qu'on en est arrivé là. Donc, trois points de vue pour décrire le contexte, phénomène, activité et historique. De la même façon, la théorie nous dit que pour donner du sens, pour décrire le sens, eh bien, il y a encore trois autres points de vue qui sont concept, savoir-faire et évolution. Alors, le point de vue des concepts, c'est assez classique, hein, c'est que pour décrire, pour donner du sens à des informations, il faut les structurer dans des concepts qui sont organisés en réseaux de concepts. Hein. C'est ce qu'on appelle des réseaux sémantiques. C'est quelque chose de très étudié. J'en ai déjà parlé dans un autre cours. Hein. C'est quelque chose qui est, on va dire, une sorte de mémoire associative. Et donc, tout sachant qui s'exprime va, d'une manière ou d'une autre, faire appel à cette mémoire associative. Et donc, lorsqu'on retranscrit ce qu'il veut dire, il faut essayer de retranscrire cette structuration en concept qu'il a dans son esprit. Les savoir-faire, c'est un peu la même chose, mais du point de vue opérationnel. C'est-à-dire qu'un sachant, il a de l'expérience, c'est pour ça qu'on l'appelle sachant ou expert, et donc il s'est forgé au fur et à mesure de son histoire. Il s'est forgé des méthodes de résolution de problèmes, des savoir-faire particuliers, des procédures qui ne sont pas nécessairement explicites, mais qu'il a dans sa tête. Et l'idée, c'est que ce point de vue-là va essayer de décrire de manière fine et exhaustive, en tout cas du moins utile, ces méthodes de résolution de problèmes qu'il peut nous communiquer par l'oral. Ensuite, il y a un troisième point qui est temporel, c'est l'évolution. Il y a un certain nombre d'objets qui manipulent dans des concepts, dans des phénomènes, enfin des choses comme ça, qui ont évolué au cours du temps pour un certain nombre de raisons et qui ont apporté un plus, parfois un moins d'ailleurs, sur la connaissance du domaine. Et donc, ce point de vue va décrire cette évolution. Donc, globalement, c'est ça qui rend la méthode à peu près simple, enfin entre guillemets, mais en tout cas compréhensible. Quel que soit le domaine de connaissance, si on veut le décrire, eh bien il suffit, il faut et il suffit, de décrire 6 points de vue, phénomènes, activités historiques qui vont remettre les informations dans leur contexte, et concepts, savoir-faire et évolution qui vont donner du sens aux informations recueillies.
Ça, c'est donc la théorie que je ne développerai pas, elle est développée par ailleurs. Alors, dans Masque 1, il y a donc 6 points de vue. Alors, une fois qu'on a dit ça, il y a un problème, c'est comment décrire ces points de vue. Alors, on peut les décrire sous forme textuelle, par exemple, on peut les décrire sous forme de films, de discours, etc. On peut interviewer les gens. La méthode, elle, va proposer d'autres manières de représenter ces points de vue. Donc, une connaissance va être représentée en fonction de 6 points de vue, et ces 6 points de vue vont être représentés par des modèles de connaissances. Alors, la notion de modèle de connaissance est fondamentale dans la méthode. Alors, qui dit modèle lorsqu'on est mathématicien, on pense tout de suite à des modèles formels, des modèles mathématiques, et qui pourraient décrire les 6 points de vue de la connaissance. Alors, ces modèles existent. Hein, il y a eu un certain nombre de travaux théoriques qui ont été faits pour décrire des modèles de phénomènes, des modèles d'activité, des modèles de savoir-faire sous forme mathématique. Alors, je vous fais grâce de ces modèles-là, puisque c'est vraiment de la théorie, et puis c'est vraiment des mathématiques un petit peu compliquées. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est des choses très pragmatiques, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait dans la pratique? Alors, on ne va pas utiliser ces modèles mathématiques, mais on va utiliser des modèles graphiques, hein, pour illustrer l'adage qui dit que un discours vaut mieux que 10 000 mots. Eh bien, plutôt que d'écrire la connaissance selon chaque point de vue, on va la dessiner. Hein, et on va la dessiner avec des outils graphiques et des langages graphiques, donc ce qu'on appelle des modèles graphiques. Et on va décrire donc pour chaque point de vue un modèle particulier qui nous permettra, avec succès en général, de décrire un point de vue, phénomène, activité, histoire, concept, savoir-faire ou évolution. Donc, là, ce que nous allons passer en revue, c'est ces 6 modèles graphiques, comment ils se sont structurés, hein, ce sont de véritables langages graphiques, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement des graphiques qui sont dépendants de l'application, etc. C'est toujours les mêmes, hein, et ça nous permet de décrire ces 6 points de vue. Donc, c'est ce que nous allons voir dans la suite, en séparant les modèles qu'on a appelé de mise en contexte et les modèles de structuration du sens.